Bonjour. À chaque rentrée scolaire, de nombreux étudiants décident de poursuivre leurs études hors du territoire, notamment en métropole. Une expérience pas facile puisqu'ils se retrouvent souvent seuls, très loin du pays. Alors comment se passe le quotidien de ces jeunes Calédoniens? Quelles formations ont-ils choisies? Comment sont-ils encadrés et épaulés pendant leurs études et par qui? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans Grand Angle. Je suis titulaire d'un bac S que j'ai passé en 2013. Dans le courant de l'année, j'ai un peu travaillé et puis après, on m'a contacté. La personne qui m'a contacté pour venir, elle faisait partie de la CEST et elle m'avait parlé de ce programme pour venir en France. Et j'étais tout de suite d'accord pour pouvoir poursuivre mes études. Moi, j'étais surveillant. Au collège de Ploum et au lycée Jules Garnier à l'internat. Donc j'ai fait ça entre 2006 et 2012. À côté de ça, j'étais animateur dans les colonies de vacances, bénévole. Et j'ai travaillé pendant 2 ans dans une association dans ma tribu à Saint-Louis avec des jeunes mineurs délinquants, majeurs aussi. Avant de faire la formation, donc j'étais secrétaire dans un premier temps. J'ai changé beaucoup d'emplois. Et ensuite, j'étais au chômage. Donc je fréquentais la maison de quartier, de mon quartier à Saint-Quentin. Et donc de là, le responsable de la maison de quartier m'a proposé un poste d'animatrice multimédia, donc dans une cyberbase pour la mairie de Nouméa. Donc j'ai occupé ce poste, on va dire, 6 mois. Et après, j'ai été animatrice jeunesse pendant 2 ans, toujours dans mon quartier à Saint-Quentin. J'ai rencontré M. Éric Ouvrard, qui était à l'époque le chargé de mission, qui s'occupait de recruter les personnes pour le projet de la Mexconnet. Donc du coup, lui, il travaillait à la mairie de Mont-d'Or, et du coup, il est venu pour proposer des permis emploi aux jeunes de mon association. Et je l'ai rencontré, et puis moi, en parallèle, je commençais à me renseigner sur le métier d'éduc, donc je ne savais pas trop comment faire. Du coup, on s'est rencontrés dans cette réunion, et à la fin, je l'ai topé dans un coin, et je lui ai dit, voilà, moi, ça m'intéresse. Et il m'a proposé, il m'a dit, j'ai un projet pour toi. La Mexconnet, si tu réussis le concours, c'est 3 ans d'études à Toulouse. Donc si ça te dit, je te propose ça. J'ai vécu 10 ans donc, au quartier de Saint-Quentin, un quartier populaire, un quartier qu'on stigmatise beaucoup aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui se passent dans ce quartier. Et quand j'ai vu aussi que ce n'était pas que dans mon quartier, que c'était aussi dans d'autres quartiers, et que c'est même pas que dans d'autres quartiers, c'est dans d'autres villes et tout ça. Donc, ce qui m'a motivé, mais c'est ça, c'est de faire quelque chose pour la jeunesse. J'ai choisi le BTS de maintenance industrielle parce que j'aime toucher les machines et réparer et tout ça. Comme la formation aussi, elle était sur 1 an et demi, moi c'était ça en fait, je voulais vite avoir une formation pour pouvoir travailler pour la suite et tout. Comme l'école, c'est pas trop mon fort aussi. Moi, j'étais beaucoup, déjà avec l'association, je travaillais beaucoup j'étais déjà sur le terrain, mais je savais que j'étais pas outillé. Comme j'étais bénévole, du coup, je faisais un peu comme ça. J'avais cette représentation de l'éducateur spécialisé, comme celui qui s'occupe des délinquants, des handicapés. Mais je savais pas c'était vraiment quoi le métier, quoi. Après, quand je réussis le concours, pour moi, ça a été un signe comme quoi, voilà, c'était ma place, quoi. On a dû passer une remise à niveau avec les stages et tout. Et puis quelques examens aussi pour voir si on était à niveau. Et à la fin, on a pu venir. On a eu l'occasion d'avoir des préparations avec le CMR pour Awao, à Tours. Donc ils nous avaient déjà briefé sur, voilà, pour la bourse, il faut aller BTF, cadre à venir.
Et après ça, niveau logistique, tout ça, moi, je me suis débrouillé tout seul. Pour préparer mon départ ici en métropole, donc dans le cadre de ma prise en charge donc, par BTF, ils ont pu dispenser une semaine de préparation au départ à métropole, donc avec la CEST. Là, il y avait une intervenante donc de la CEST qui nous parlait un peu de la métropole, de façon générale, que ce soit au niveau de la météo, au niveau des un peu administratives, financières. Aider en fait à mieux s'adapter, il y a un gros travail d'information qui est fait depuis Nouméa, en fait, où on leur explique voilà l'endroit où ils vont aller, comment ils vont être accueillis, on les met sur internet, on leur suscite d'aller chercher des informations sur les villes, les structures de formation. Maintenant tous les établissements ont des sites internet, donc pour qu'ils essayent de se projeter en fait voilà dans leur nouvel environnement. Après la préparation, moi je dirais que c'est plus perso quoi. Quand tu te projettes d'aller en France, tu sais que tu pars pas comme ça avec un sac. Et voilà, tu sais qu'il y a le compte en banque à faire. Tu sais que voilà, faut déjà si tu travailles, faut résilier le contrat que tu as avec ton employeur. Il y a certaines choses qu'il faut préparer. Les difficultés que rencontrent les étudiants calédoniens quand ils arrivent en France sont à peu près les mêmes difficultés que tout expatrié. Se familiariser avec un environnement, avec des codes de communication qui sont différents, avec une culture qui est différente. Et ils souffrent souvent les premiers mois, mais ça se régule assez vite de l'isolement familial. Ils perdent leurs repères. Et donc c'est pour ça que c'est important pour nous aussi de trouver des villes qui soient de moyenne importance de manière à ce que le fait de se retrouver dans des mégapoles ne les désoriente pas trop. Après ils sont accueillis en métropole par la Maison de la Nouvelle-Calédonie le plus souvent quand ils sont boursiers. Pour le programme Cadre Avenir, on a affaire à des gens qui sont un peu plus avancés en âge, moins immatures, donc il n'y a pas cette nécessité d'un accueil personnalisé en fait. Et puis après, donc, dans les structures, c'est de, comme c'est notre réseau, voilà, c'est de sensibiliser les équipes qui les accueillent à leur arrivée et de leur permettre un accueil plus personnalisé, mais sur place à ce moment-là. Nous, on arrive très vite en fait, au tout début de la formation, pour leur rendre visite, pour les mettre en contact avec nos référents, et donc les choses se passent très bien. Certains étudiants que l'on suit sont très autonomes, d'autres, au contraire, ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus soutenu. Donc ici, les 8 conseillers qui travaillent à la CEST en métropole savent très bien s'adapter aux étudiants. On est sur du sur-mesure. On va être très à l'écoute et interventionniste pour des étudiants s'ils nous en font la demande. Un peu plus en retrait, bien sûr, pour des étudiants qui sont à un niveau Bac plus 5 et qui ont déjà une expérience de 5 années en études supérieures. On va les laisser un peu plus, on va dire, un peu plus tranquilles, quoi. Ils savent très bien gérer leur parcours d'études après 4 années d'études supérieures. Il y a une dynamique qui se crée concernant l'accueil, c'est-à-dire que ceux qui sont là depuis 3 ans ou ceux qui sont là depuis 2 ans, il y a un système de solidarité qui se met en place au niveau des étudiants eux-mêmes. Donc ça, c'est très important parce que la question de l'accueil est fondamentale. Vu la distance, vu tout ce qui... toutes les questions, si vous voulez, qui sont hors formation, les questions du logement, les questions qui sont liées aux aspects administratifs, par rapport à la sécurité sociale, à les questions, etc., etc. C'est assez compliqué pour eux et c'est parfois un facteur déstabilisant. Donc le fait qu'il y ait des étudiants qui soient ici déjà en formation, ça permet de faciliter cet accueil. Et puis aussi des anciens étudiants qui sont passés chez nous, et qui aussi font un travail, je pense, au niveau du pays pour aider au départ. Et nous avons la chance en plus en Midi-Pyrénées d'avoir, en particulier à Toulouse, une association, l'association des Kanaks de Toulouse, qui est une association qui aussi
participe à sa mesure, avec qui on a des liens, qu'on accueille aussi, et qui participe à sa mesure à soutenir un peu aussi les étudiants qui arrivent ici pour faire leurs études. En arrivant en France, la première impression qu'on a eue, c'était qu'on était un peu, un tout petit peu désorienté. Tout est différent ici, il y a des services qu'il n'y a pas au pays. Bah déjà, c'est au niveau de la vie, quoi. Et chez nous, c'est trop cher. La différence de prix quand tu arrives ici en France et en Nouvelle-Calédonie, elle est énorme. Du coup, ça permet de nous prendre des trucs qu'on ne pouvait pas prendre chez nous, quoi. Et puis, il y a le regard des gens aussi. Ils ne sont pas forcément habitués de voir d'autres personnes arriver. On a dû s'adapter et puis finalement, ça s'est bien passé. Comme c'est une petite ville à Bagnères, ils sont assez chaleureux et accueillants quand même. Il faut savoir qu'on n'est que 10 Calédoniens dans toute la ville. On n'est pas perdu, il y a des montagnes. Je pensais que c'était tout plat où on arrivait, mais non, c'est cool. Par la suite, après, on a vu la neige aussi. Alors avec les montagnes, c'était juste super. Rien à dire, le paysage est magnifique, on voit des arbres partout. Ça change, je ne pensais pas que c'était comme ça, quoi. L'aventure d'accueil d'étudiants calédoniens à Toulouse, à Erasme, a débuté en 2004. Ce sont aujourd'hui à peu près 45 étudiants qui sont passés par notre centre de formation. Ce travail collaboratif avec CEMEA Poirawaro, mais aussi sur la région toulousienne, la présence de ACEST, permet quand même d'assurer un suivi et d'assurer une interaction, on va dire, avec ces étudiants très importante. Bien. J'étais intéressée de savoir ce qu'avait donné comme avis le dernier conseil de classe. Écoutez, les avis sont très positifs, donc oui. C'est un groupe extrêmement intéressant, avec une grande motivation des jeunes, oui. Donc un travail personnel important, des jeunes plutôt studieux par rapport à nos élèves, et qui réussissent bien et qui ont de bons résultats et qui devraient annoncer de bons pronostics pour le BTS. Dans le cadre de l'accompagnement pédagogique, en fait, notre rôle, en fait, c'est bien sûr d'être à l'écoute de ces étudiants parce que voilà, il y a une proximité de dialogue qui s'instaure entre eux et nous plus facilement qu'à travers un enseignant, voilà, qui représente l'autorité et le savoir. Et puis surtout de faire un état pour identifier les problèmes qu'ils rencontreraient. Et parfois de pouvoir faciliter le dialogue avec les référents pédagogiques et voir des médiations s'il y a lieu d'en avoir. Quand on rencontre Pascal Lavoir, on parle de nos problèmes ici au lycée, tout ce qui nous plaît, ce qui ne va pas aussi. S'il y a un problème avec un prof ou quoi que ce soit, pour les stages, surtout pour la recherche de stages. Chaque conseiller en formation suit une soixantaine d'étudiants durant l'année universitaire, ce qui représente beaucoup de déplacements et beaucoup de comptes rendus. On est en lien quotidien avec nos partenaires de Nouvelle-Calédonie, puisqu'on s'envoie des mails tous les jours. Et puis qu'on a des réponses très vite parce que pendant qu'on dort, eux nous répondent. C'est l'avantage du décalage. On est amené donc au cours d'un entretien à analyser bien sûr les résultats, mais à analyser aussi l'intégration de l'étudiant ou du groupe d'étudiants qui sont dans la structure de formation, à vérifier le déroulement des études, voir s'ils arrivent à répondre aux exigences de la formation et si ce n'est pas le cas. Quelles sont les actions à mettre en œuvre de leur part ou de la part de la structure aussi parfois pour que la formation se déroule mieux
et que le semestre et la formation soient validés. Ils viennent nous voir assez régulièrement et ça nous permet de rester sur le chemin, enfin de continuer pour la motivation et puis ils nous rappellent nos devoirs et tout. Ça nous évite de nous perdre, quoi. Puis ça nous aide beaucoup aussi parce qu'ils nous demandent si on a besoin d'aide et tout. Puis il y a certains moments c'est réconfortant de voir des visages qu'on connaît. Avec les responsables pédagogiques, en fait, on travaille beaucoup sur la perception qu'ont les enseignants de l'apprenant. On a besoin de recueillir des informations par rapport à l'assiduité, à la ponctualité. L'assiduité parce qu'effectivement, c'est révélateur de quelqu'un qui est susceptible de décrocher. Souvent, ça commence par un manque d'assiduité en cours ou de démotivation. Donc ça, ce sont les repères qu'on a besoin de connaître. On a besoin de connaître comment les enseignants perçoivent l'étudiant. On a besoin d'expliquer des codes de communication que les enseignants pourraient percevoir comme de l'irrespect ou un manque d'intérêt, alors que certainement dans nos différentes cultures, la manière de nous exprimer est assez différente. On a besoin d'avoir des informations par rapport au réseau que peut avoir la structure de formation pour les recherches de stage, puisque toutes les formations maintenant ont des périodes de stage et que nos étudiants, on le sait, n'ont pas ce réseau, donc on a besoin de leur appui, de leur connaissance du milieu professionnel de la région. On fait le bilan de tout ça à chacun de nos passages. Ces étudiants, la plupart souhaitent retourner chez eux et trouver un emploi. Et vu les besoins, on pense qu'ils devraient quand même réussir à trouver un emploi au niveau de leur pays d'origine. Il y a des postes à pourvoir en province nord, à Koné, puisqu'il va se construire, est en train de se créer une maison d'enfants. Mais ça concerne une partie des étudiants qui sont chez nous. Donc eux, ils font partie de ce groupe d'étudiants qui vont être amenés à s'investir très rapidement au niveau professionnel, là où ils sont attendus en fait. De retour, en Nouvelle-Calédonie, donc après la formation, après avoir eu mon diplôme, je serai amenée à travailler au sein d'une MEX. Donc une maison d'enfants à caractère social qui se trouve à Koné. Donc quand on est parti, elle n'était pas en 2012, elle n'était pas encore construite. Donc on a pu suivre un peu l'actualité au niveau de la construction de cette MEX à travers les nouvelles calédoniennes et tout. Je voulais déjà travailler quelques années en fait dans la maintenance dans des entreprises chez nous et ensuite. Par la suite, essayer de continuer dans une licence pro. Il y a beaucoup de Calédoniens ici, sur Tarbes, qui nous ont conseillé aussi de continuer, parce qu'on a l'opportunité aussi et tout. Je pense continuer après quelques années d'expérience dans le travail, quoi. Beaucoup d'étudiants viennent dans un premier temps pour faire un bac plus 2 et puis finalement prennent le goût aux études ou choisissent de faire une spécialisation parce qu'ils ont entendu dire au pays ou parce que nous on leur recommande d'aller acquérir plusieurs spécialisations. Et donc on les aide à construire ce second parcours de formation. À la fin de cette formation, quand je retournerai, je pense que c'est une certitude, je vais travailler plutôt dans la province nord. Voir à Vavuto, c'est parce que c'est un projet auquel j'ai envie de participer et puis ça me motive, c'était une des principales causes de ma motivation là, de mon arrivée ici. Puis éventuellement après de continuer et puis d'améliorer mes connaissances en poursuivant les études par la suite. Mais c'est pour l'expérience, c'est cool ça. Ce qu'il faut qu'on puisse dire aux jeunes qui sont en Nouvelle-Calédonie et qui ont l'idée de partir faire des formations en métropole, il faut leur dire de partir.
Voilà. De partir, de ne pas hésiter à faire le premier pas, que la première réussite, c'est d'être en formation. Ce n'est pas de réussir la formation, mais la première réussite pour un Calédonien, c'est de faire le voyage et d'arriver à trouver une place dans une structure qui accepte de l'accueillir parce que son profil correspond aux attentes de l'équipe. Donc la première réussite, c'est de faire ce pas et d'être là. Rien que le fait de voyager, de voir autre chose, il y a beaucoup d'endroits magnifiques à découvrir et puis beaucoup d'amis à se faire quand on part du pays. C'est bien de partir comme ça. Dans les CV, on voit autre chose que des entreprises au pays. Ce que je vais retenir par rapport à cette formation en métropole, ça va être déjà la richesse des expériences. La complexité aussi de comprendre ce qui se passe, de comment il faut faire, de s'adapter, de tout ça là. Et aussi se déconstruire en fait de certaines représentations qu'on avait et de se construire aussi. Rien que le fait d'étudier autre part, ça enrichit votre connaissance et votre expérience concernant la vie. En tout cas, c'est ça que je retiens, c'est la richesse des échanges qu'on a pu faire en formation, mais aussi en dehors, avec des personnes et ceux de notre formation, des personnes extérieures, la richesse au niveau des paysages, la richesse au niveau culinaire aussi, enfin, la richesse, moi je dirais. Moi, le fait de vivre ici enfant, j'ai eu du recul par rapport à la Calédonie, qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais. Puis aussi, ça permet de déconstruire, ça permet d'enlever aussi des préjugés qu'on a. Parce que des fois, on a une image de la France c'est un pays comme ci, comme ça, mais quand tu viens ici, ben moi j'ai rencontré beaucoup de gens. Des gens qui, voilà, des Africains, des Français, des gens de la campagne. Mais voilà, quand tu pars, tu découvres le monde. Mais c'est là que tu vois qu'en fait, on est une petite île au milieu d'une grande planète Terre, quoi, mais qu'on a tout à fait notre place. Puis tu as aussi la richesse humaine, la richesse culturelle. Et ici, les gens, ils ont beaucoup aimé ça, c'est partager. Nous, on est riches par rapport à ça aussi. Donc voilà, moi, le seul message que je peux dire, c'est que du positif. Voilà, tu vas gagner en expérience professionnelle, tu vas gagner en expérience en savoir, savoir-vivre, savoir-être. Tous les savoirs, tu vas gagner. Puis tu vas mûrir, moi, c'est ça aussi. Que le fait, quand tu pars de chez toi, tu quittes ton père, tu quittes ta mère, tu quittes ta tribu. Puis tu viens ici, tu vis, tu as ton appartement, tu deviens un peu plus... Enfin, je veux dire, là, ça te fait grandir, tu deviens plus un homme. Voilà, Grand Angle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir cette émission, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.nctv.nc. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité.